écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Walid, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche 8 octobre, la résistance palestinienne lancée très tôt hier l'opération déluge d'Al-Aqsa. Plus de 200 morts et plus d'un millier de blessés dans les rangs de l'occupationniste. Des soldats sionistes capturés également. L'armée sioniste qui a lancé une nouvelle agression faisant des centaines de morts parmi les Palestiniens. Agression sioniste, l'Algérie condamne et appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités. Il y aura également de l'économie. 4 ministres défendent leur bilan en termes de création d'emplois, une première conférence présidée par le ministre de la Communication. Et puis en sport, cette première arabe et africaine, l'Algérienne Kayla Nemour, sacrée vice-championne du monde des barres asymétriques aux mondiaux organisés en Belgique. Walid Selman, c'est le mythe d'une armée invincible qui vole en éclats. La résistance palestinienne lancée hier très tôt l'opération déluge à Al-Aqsa, une opération qui prend les allures d'une véritable guerre. 5000 missiles lancés, des positions prises à l'armée sioniste, plus de 200 morts et plus d'un millier de blessés dans les rangs de l'occupant sioniste, des soldats sionistes également capturés. L'armée sioniste qui a lancé une nouvelle agression faisant des centaines de morts parmi les Palestiniens. Frappe de l'artillerie sioniste également tôt ce matin sur le sud du Liban. La situation est explosive, Nasrin Dahmoud. La bande de Gaza a été la cible cette nuit de nombreux raids de l'occupation sioniste. Vers 3h du matin, heure locale, les sirènes retentissaient encore à cause des bombardements. Des mesures de répression ont également été prises, telles que la fermeture de tous les accès menant à Al-Quds et Beit Lahm. Des attaques d'une extrême violence ont été menées contre les populations palestiniennes à l'intérieur d'Al-Quds, à Erihah et Al-Khalil. Tirs à balles réelles, arrestations et agressions. À 2h du matin, heure de Gaza, le nombre des victimes palestiniennes dépassait malheureusement les 230 morts et 1700 blessés selon les sources officielles. Au vu de la situation de grand danger, les écoles palestiniennes resteront fermées à partir de ce dimanche jusqu'à nouvel ordre. Les cours seront donnés si possible par Internet. Les banques seront aussi fermées ce dimanche dans tous les territoires occupés. Une annexe de la Banque nationale islamique a d'ailleurs été détruite cette nuit à Gaza. C'est donc un dimanche sous haute tension auquel se préparent les Palestiniens. Le mouvement Fatah a appelé à une journée de la colère et a intensifié la résistance à tous les niveaux. Côté sioniste, un porte-parole de l'armée a affirmé cette nuit que la situation était loin d'être maîtrisée. Il s'agit là d'un état de guerre sans précédent. L'effet de surprise de l'opération palestinienne démontre la fragilité des renseignements sionistes longtemps encensés. Un véritable le camouflé pour l'armée d'occupation qui annonçait cette nuit plus de 300 morts, 1500 blessés et 50 sionistes pris en otage par la résistance palestinienne. Ismaïl Haniyeh, le chef du bureau politique du mouvement Hamas, a affirmé que l'offensive palestinienne visait à défendre Al-Quds du projet de l'entité sioniste de prendre le contrôle total des lieux saints, un projet qui devait avoir lieu dans les tout prochains jours. Depuis quelques jours, nous avons assisté aux pires scènes de violence et nous avons eu des informations sur des projets de judaïsation de toute la ville d'Al-Quds et de la mosquée Al-Aqsa. Nous avions également des informations que l'entité sioniste allait lancer un grand projet de colonisation, d'interpellation et d'attaque également. L'entité sioniste allait profiter aussi de la normalisation avec certains pays arabes dans le but d'imposer sa présence dans la région au détriment des droits du peuple palestinien. Elle pensait en fait profiter du silence de certains pays et la crise en Ukraine, le tout pour exécuter son projet dans les villes palestiniennes. Et l'offensive palestinienne menée depuis hier prouve au monde entier ce gros mensonge d'invincibilité de l'armée d'occupation sioniste. Les actions continuent des groupes palestiniens de résistance contre plusieurs positions sionistes, notamment des checkpoints et des colonies, ont provoqué un véritable séisme puisque ni les services de renseignement ni l'armée sioniste ne s'attendaient à une telle offensive, assure l'analyste politique Salahdine Al-Awouda.
Le colonisateur a été surpris par les attaques de la résistance palestinienne qui s'est révoltée contre ces agissements. Une lutte que les sionistes n'imaginaient pas, en fait. Parler aujourd'hui de prise de contrôle par la résistance sur plusieurs villes sionistes et de morts et de blessés et d'otages rappelle les sionistes de guerre de 1973 et du jour du pardon de 1973. Aujourd'hui, c'est un jour marqué par l'ère de l'Internet et des réseaux sociaux. Le colonisateur fait face aujourd'hui à une nouvelle forme de bataille. L'occupant sioniste tente à travers ses menaces d'intimider le peuple palestinien, mais lui-même est en train de souffrir. Écoutez, réaction à l'Algérie qui a exprimé via le ministère des Affaires étrangères sa profonde inquiétude face à l'escalade des agressions sionistes barbares. Et appelle la communauté internationale à intervenir immédiatement à travers les instances internationales concernées pour protéger le peuple palestinien contre la brutalité et la criminalité sioniste. L'Algérie condamne vigoureusement ces politiques et pratiques contraires aux règles humaines les plus élémentaires et à la légalité internationale. D'ailleurs, tout en saluant la réaction de l'Algérie, le membre du commandement au sein du mouvement Fatah, Jihad al-Hirazi, appelle à une action urgente de la communauté arabe et islamique. Il a été contacté par Halan Saïs. La communauté internationale doit agir dans l'urgence pour mettre fin aux violations infligées par le colonisateur sioniste à l'encontre du peuple palestinien. C'est ce qu'a affirmé l'Algérie encore une fois à travers son soutien indéfectible à la cause juste du peuple palestinien. C'est ce qu'on attend des autres pays. On espère une véritable coordination entre les ministères des Affaires étrangères et les dirigeants arabes au niveau des instances islamiques et les unions régionales pour faire pression sur les instances internationales afin de rétablir le droit légitime des Palestiniens et stopper les exactions et crimes commis par l'entité sioniste qui viole toutes les résolutions internationales, car il ne peut y avoir de sécurité ou de stabilité dans la région avec ou sans normalisation si le droit du peuple palestinien n'est pas rétabli pour qu'on puisse recouvrer notre indépendance nationale avec El-Quds comme capitale. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies qui envisage une réunion d'urgence à la suite de l'escalade sioniste dans les territoires palestiniens occupés chez nous. Des partis politiques ont réaffirmé hier leur solidarité pleine et inconditionnelle avec le peuple palestinien qui est victime des agressions sionistes injustes sur le secteur de Gaza. Parmi eux, le mouvement de la Société pour la Paix, le MSP, le mouvement national Elbina, le mouvement Al-Nahda et le parti Talaya Al-Hurriyat. Voilà ce que nous pouvons dire concernant cette offensive menée par la résistance palestinienne, mais également cette nouvelle agression sur Gaza menée par l'armée sioniste. Retour chez nous dans le volet économique qui emploie 4 ministres défendent leur bilan. Walid Salman. Une conférence, une première présidée par le ministre de la communication Mohamed Laghab. Les ministres concernés sont ceux de l'intérieur, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, le travail, l'emploi et la sécurité sociale. Cette conférence se veut une occasion pour les ministres des secteurs concernés de présenter les chiffres réels qui reflètent la réalité. À propos justement d'emploi, le secteur de l'enseignement supérieur poursuit sa politique de recrutement. Les mois d'octobre et novembre prochains connaîtront une nouvelle opération. Plusieurs nouveautés verront bientôt le jour. Sophia Bokacha. Près de 2000 assistants hospitalo-universitaires seront concernés. Professeur Kamel Badali, ministre de l'enseignement supérieur. Nous allons recruter 1984 assistants hospitalo-universitaires au cours des mois d'octobre et novembre prochains. Nous recruterons également 169 chercheurs dans divers centres de recherche en Algérie. Permettre aux docteurs de trouver un emploi, un texte sera bientôt publié. Un texte sera bientôt publié permettant aux titulaires d'un doctorat de trouver un emploi après l'obtention de leur diplôme. Cette élite contribuera au développement de la technologie, de la science et au transfert technologique de l'institution universitaire vers l'économie. Concernant le statut particulier des enseignants-chercheurs, le premier responsable du secteur affirme qu'il sera prêt avant la fin de l'année en cours. L'actualité chez nous, c'est aussi Walid Salman, la rentrée pour les apprenants de la formation professionnelle. Une rentrée placée sous le thème enjeu du renouveau économique. Le coup d'envoi officiel sera donné depuis la wilaya de Biskra par le premier responsable du secteur. Culture, direction l'esplanade Riyad al-Fath, où se poursuit le FIBDA dans sa 15e édition. Plusieurs auteurs signent leur BD, d'autres des romans adaptés en BD. C'est d'ailleurs une des nouveautés de cette édition, Fatah Boumati.
Parmi les nouveautés de la 15e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger, l'introduction du roman au 9e art, avec l'adaptation de l'ouvrage Dieu n'habite pas la Havane de Yasmina Khadava en bande dessinée. Rencontré au niveau de l'esplanade de Yad el-Fetch, il nous parle de la concrétisation de ce projet. Ben, la naissance, c'est qu'à un certain moment, il y a des gens qui veulent élargir l'audience d'une œuvre. Donc il y a le cinéma, le théâtre, il y a aussi la bande dessinée. Et quand on m'a proposé d'adapter Dieu n'habite pas la Havane en BD, moi j'étais très content. Ça va toucher un public qui forcément n'est pas obligé de lire des romans, mais qui s'investit corps et âme dans l'image. Et une bande dessinée pour adultes. Mais l'enfant, il est toujours fasciné par l'image. Personnellement, je suis un ressortissant de la bande dessinée. Quand j'étais enfant, je lisais beaucoup la bande dessinée. Je traversais toute la ville d'Oran à pied pour aller échanger mes bandes dessinées. À l'époque, avec un dinar, on pouvait échanger Tintin contre Picsou, je ne sais pas. Donc, c'était notre fierté parce qu'on avait aussi besoin d'avoir nos propres repères. Et je souhaiterais que la bande dessinée revienne et qu'elle donne un espace presque vital pour ceux qui sont nés, qui ont cette vocation merveilleuse. Ce soir aura lieu la clôture de la 15e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger et sera marquée par la remise des prix des différents concours organisés et un concert musical. Et c'est à partir de 16h au niveau de l'esplanade. Et du sport pour clore les pages de cette édition avec cette première arabe et africaine, l'Algérienne Kélia Nemour, sacrée vice-championne du monde au bar asymétrique. C'était aux mondiaux organisés en Belgique. Autre première historique pour l'Olympique de Annaba qui a décroché le premier titre de son histoire en s'adjugeant la Coupe d'Algérie dans handball messieurs de la saison en battant le HBC Albiar sur le score de 38 à 34 en finale disputée hier à la salle omnisport du complexe olympique Miloud Hadfi d'Oran. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.